Alors, il est 9h15, je pense, un truc comme ça. Là, je vais faire mon petit sport. Et demain, kiné, et après-demain, pilates à la salle. Oh là, voilà. J'ai encore très, très, très peu dormi ces derniers temps. Je suis claquée, je crois que ça se voit. Ouais, ça se voit. J'ai commencé à emballer le swap hier. Donc là, je vais ranger dans le carton et repréparer quelques paquets à emballer. Et ce qu'on fera tout à l'heure, mais je pense que je ferai ça après la sieste, c'est débarrasser mon étagère là, faire les poussières. Je vais tout mettre sur le meuble là derrière. Et comme ça, après, on pourra ranger correctement et trier. Ça fera pas de mal, je pense. Ouais, ça fera pas de mal. Donc voilà, il y a la boîte Pélouise, je l'ai pas emballée parce qu'elles sont tellement belles. Et là, j'ai pas mal de petites choses que j'ai déjà emballées. Voilà. Donc ouais, là, je vais repréparer ça. Il faut que je fasse tourner ma machine aussi. Et faire mon sport. Voilà. Et ça sera déjà pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. Le problème, c'est que je ne sais pas si j'aurai assez de place dans mon carton, même qu'il est énorme, pour mettre tout le swap dedans. Je ne saurais pas le fermer, en tout cas, ça c'est sûr. À moins que j'arrive à plier les bords, je ne sais pas. Il faudra vraiment que je vois ça plus tard. Quand j'aurai tout emballé, que je saurai un peu dans quel emballage j'emballe tout. Je crois que j'avais rien d'autre à vous dire aujourd'hui. Enfin, pour commencer cette journée. Ouais, là, je vais ranger ça derrière. Préparer quelques produits encore à emballer. Comme ça, je les amène en bas. Et je vous reprends tout à l'heure pour déblayer ça et faire la poussière sur moi-même, parce que c'est juste, à mon avis, ça doit être cracra. Bref. Donc oui, voilà, on fera ça. Et comme ça, demain, on pourra tout réinstaller avant que j'aille chez Akiné. Sûrement le matin, d'ailleurs. Il y a du tri, hein. Il faut que je fasse du tri, là, parce que j'ai beaucoup trop de rouge à lèvres, déjà. Après, c'est ce que je préfère, hein. Ça va être compliqué de trier. On verra bien. Donc, ben, sur ce, je vous reprends tout à l'heure. Alors, il est 10h. Oh, oui, j'ai cette tête-là. Oui, j'ai sorti le truc de ma gueule. Voilà. Il y en a qui commencent à faire leur déco le 1er novembre. Yoki, fous-lui la paix! Moi, je mets déjà mes trucs de Noël. J'ai oublié de mettre chauffer la salle de bain. C'est rien, je le ferai après. Donc là, ce que je vais faire aujourd'hui, j'ai un chat dans la gorge, ça m'énerve. Je vais juste débarrasser cette étagère-là, parce qu'il y a du bordel, et donner un petit coup de poussière, et le reste, je ferai demain, enfin, on fera demain, pour réorganiser. Ce foutu chat m'énerve. Enfin, ce chat, celui que j'ai dans la gorge, parce que j'en ai pas d'autre. Donc voilà, là pour l'instant je vais tout poser sur mon meuble derrière, donc je vais bouger ça avant de le faire tomber. Et je trierai demain. J'ai même des câbles, des piles. Incroyable. Ça vous dit qu'il y a du bordel. Il y a du bordel. Et ça finit par tomber. Alors là j'ai une prise, je ne sais pas tout ce qu'il y a bien. C'est tout en mêlée. C'est tout, tout, tout en mêlée. J'ai oublié de choper mon écouteur hein, qui est coincé. On va mettre par-dessus le reste. Et qui fout la paix? Et du coup, il va falloir que j'enlève tout au-dessus la maison d'Halloween que j'ai commencé, que j'ai jamais fini. Comme ça, je pourrais mettre mes décos que j'utilise pas, enfin, que je veux pour changer au fur et à mesure.
La coque de téléphone, je vais peut-être pouvoir l'acheter. Ah, ma tasse. Les tasses, je vais les mettre en bas. Parce que, bon, les papiers, les cartons de... des palettes Colourpop, je peux peut-être les jeter. Hein. J'ai déjà essayé d'enlever ça, sans que ça se casse la marcoulette. C'est pas facile. En même temps, je serais passé de l'autre côté, ça aurait été plus facile. Ok. Un support de téléphone, tiens donc. Il y a tellement de bordel. Donc les rouges, je vais les mettre un peu debout. Puisqu'après, je vais essayer de les mettre dans mon tourniquet. Ne plus me prendre. Le petit dessin qu'une abonnée m'a fait. La boîte des pinceaux. Ça, c'est toujours pratique pour ranger quand il y a des aimantés comme ça et en dur. Malicorne en plâtre. Je l'avais complètement zappé celle-là. Je vais la poser à plat sinon elle va se casser la gueule aussi. Des cartes que vous m'envoyez ou que. Ça, normalement, elles vont dans. Comment ? J'ai une boîte où je mets toutes vos lettres et tout ça dedans. Vos petits mots et compagnie. Qu'est-ce que vous foutez encore ? Ma boîte Guerlain. Ça, je vais garder aussi parce que c'est toujours pratique pour ranger. J'aime bien les boîtes en dur comme ça. Ah, encore une tasse. La Game of Thrones, I am Khaleesi. Je vais la descendre aussi. Hein. Mes petits pots. Je les aime bien ces petits pots là, ils sont vieux, je les avais trouvés chez Action au tout début que ça avait ouvert. Et je les aime trop. Mais je ne sais pas qu'est-ce que je vais en faire. Ah, je suis bloquée entre les omoplates là. Dites-moi la clignée tantôt. La palette Escape, je jette aussi le carton, je vais regarder. Mes crayons à laine. Il faudrait vraiment que je me décide à trier un peu, même si c'est des cadeaux, ce que j'utilise pas, il faudrait que je les vire. Parce que... Voilà quoi. Et voilà, et j'ai plus qu'à faire les pots aussi. Hein. Je sais pas où j'ai mis mon truc, j'ai mon produit qui est là. Bon, je vais prendre des lingettes parce que j'ai plus de. J'ai plus de chiffon ici, faut que j'en remonte ça. Il y a clairement des taches sur le meuble. Et voilà. Je vais vous montrer avec un chiffon quand même, mais au moins le plus gros est fait. Voilà, il faudrait que je lave la façade aussi du meuble. J'espère que la kiné va me décoincer là parce que c'est un enfer. Et donc voilà, bon pour l'instant c'est vide et tout le bordel est là. Voilà. Et encore vous ne voyez pas tout. Donc je rangerai ça demain avec vous et je verrai si j'arrive à descendre mes vernis. Après, je trouve que là, ils sont bien au-dessus. Donc voilà, on verra bien. On verra demain comment j'organise déjà au moins cet étage-là. Et le reste, je verrai quand j'aurai un petit peu de motivation qui arrivera quelque part. Parce que là... Bref, allez, sur ce, nous, on suit le jour et on se retrouve pour le rangement. Il est, je sais pas, de 10h. Donc on va pouvoir...
reprendre où on en était hier. J'ai de nouveau mal à l'oreille et j'ai super froid. Je n'en peux plus. Je suis complètement gelée. Donc je vais déjà bourrer mon petit tabouret là parce qu'il est dans mes pieds. Voilà, ça sera déjà plus facile. Alors, j'avais ce petit support que du coup j'ai modifié pour mettre les rouges à lèvres et tout ça. Je pense que je saurais en ranger quand même quelques-uns dedans. Là, je mettrai les fards à paupières et les liners pailletés comme j'avais avant. Donc, on va déjà s'amuser à ranger les rouges à lèvres qui sont dans les petits rangements parce qu'ils me pompent. Voilà, voilà. Donc, on va déjà commencer par ceux-ci. Je vais essayer de les ranger à peu près dans l'ordre. Mettre des plus grands. Est-ce que ça passe là derrière? Ah bah non, ça passe pas. Ça, c'est pas chouette. Ça y est, il y a le chien qui met la tranquillité. Oh, mon chalet, il faudrait peut-être que je le jette quand même parce qu'il est très 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 vieux. Ça sert à rien que je le garde. Quoique, il n'a pas l'air. Il n'a pas l'air foutu, donc j'ai essayé de l'utiliser au plus vite alors finalement, parce que il n'est pas foutu. Après, ceux-ci, je ne les utilise plus non plus, la chaîne de révolution. Les mini, là, je ne les ai même jamais utilisés, je crois. Si, un. Les deux autres, je n'ai pas utilisé. Celui-là, je n'ai jamais utilisé, c'est sûr. Bon, écoutez, pour l'instant, je vais les laisser là. On verra après. Ah putain, les trois rentrent pas dedans juste pour m'emmerder. Bon, j'ai déjà réussi à vider un bac et on a encore plein de place. Alors, le deuxième avec les rouges à lèvres liquides. Bon, ça, c'est pas des rouges à lèvres, c'est des ailes. Mais là, il faudrait que j'arrive à faire un tri parce que. J'en ai tellement. Tellement. Bon, bah déjà, ça. Kylie, je garde. Putain, j'adore Kylie. L'Ofra, je vais pas garder. Le Révolution, comme ça. Oh, il est vieux, ça. Tiens. Bon, celui-là, je vais carrément le jeter, je pense, parce que il fait des mots bizarres. Les deux OPV. Ryan Phil. Non, j'en ai trois de OPV. Je vais les mettre derrière, j'ai utilisé moins ceux-là. Encore un Kylie. Oh, ça va se battre. Ça, c'est le soubrette, hein, je crois. Je pense qu'il s'appelle déjà celui-là. Ouais, c'est le soubrette. Le Chimix, j'adore. Le Corsair White, comme ça, j'adore. Celui-là aussi. Croisonna, j'aime beaucoup la couleur. Je n'en ai pas de... Est-ce que ça va être chiant pour les prendre derrière? Je n'ai pas pensé à ce détail. Bon, monsieur, il faudra que je récupère derrière. Ouais, je n'ai pas pensé à ce détail-là, donc il faudrait plutôt que je mette autre chose que le rouge à lèvres. Merde! Merde. Alors attendez, je réfléchis. Je vais déjà mettre les fards et les fards liquides et les pigments.
J'ai pas grand chose à vous raconter en même temps. Hein. Je réflecte, alors c'est beaucoup de boulot pour moi de réfléchir. Voilà, j'ai ceux-là. J'ai tous les petits pots là aussi, donc je vais les mettre avec. Celui-là, je peux le mettre derrière. Ce sera facile à attraper. Comment je vais ranger ? Ça, c'est des paillettes, donc je vais les mettre comme ça. Ça aussi, c'est des livres. Et ça, je les mets ensemble. Là, il y a les deux sucres, je crois. Je sais plus. Celui-là, c'est en gel. Et celui-là, c'est du livre, il me semble. Voilà, je vais faire comme ça. J'en ai encore deux là-bas. Je vais les mettre derrière. Hop, hop, hop. Voilà, et j'en ai encore deux ici, de chez Révolution, c'est des en gel. Ah non. Non, je dis n'importe quoi, c'est des livres. Donc je vais les mettre ici comme ça. Ouais. Écoutez, pour l'instant, c'est pas trop mal. Alors, là c'est les glosses et j'ai encore les rouges. Oh là 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 là. Oh là là là, il y a encore tout ça en fait. Donc là, c'est les glosses. Je vais peut-être mettre les glosses, les deux de chez Pélouise. Mais bon, je ne sais pas, bien évidemment. Bien évidemment. Ça fait peut-être temps que je les utilise aussi. Hein. Je cherchais. Hein. Ceux de chez Focalure que j'utilise absolument pas. oh, j'ai celui-là de chez NYX, ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé. Ça, c'est les Glitter Cool. Alors, je vais peut-être faire autrement. C'est pour que je mette les plus grands derrière. Bah, non, en fait, celui-là, je peux les laisser là parce que c'est des duochromes. Et mettre celui à paillette ici. Glitter Switch et compagnie là. Ok, on est pas mal hein. Là c'est juste des papayettes. Ça aussi. Celui-là aussi. Voilà voilà. Celui-là, je vais pas le garder. Je crois qu'il peut aller carrément à la poubelle aussi celui-là. Le chic là, je garde, j'aime beaucoup. Ok, bah écoutez, ça fait deux trucs de vide comme ça. Donc on va gagner de la place quand même, hein, je pense. Alors, j'ai ces trucs-là de chez Pélouise que j'utilise absolument pas. Écoutez, je vais les mettre là. Voilà, on verra. Alors ça c'est pour jeter. Alors. Ça, c'est un liner qui n'a rien à foutre là-dedans, mais je l'ai mis quand même là-dedans. Celui de chez Honda, je vais le mettre ici aussi. Là, je gagne une place. Ça, je ne sais pas trop ce que je les avais rachetés à Amy. Je crois que c'est des glosses aussi, non ? Sérieux ? Donc je vais les mettre ici aussi. Voilà, comme ça je gagne de la place dans les rangements à rouge à lèvres, qui n'est pas négligeable. Je vais garder sur le plus grand rangement. Pile, pile, pile.
Là, on est sur tout ce qui est Prestar Melted en principe. Ça aussi, c'était plus cher d'ailleurs, maintenant que je pense. Je ne sais pas si je n'avais pas tous les rangés dedans. D'ailleurs, je ne sais même pas où sont les deux autres. Le bleu, je ne l'ai pas encore testé. Et l'autre, je ne sais pas où il est. C'est le vert qui manque. Ah, il est en bas. Je vais utiliser en bas celui-là. Donc. Ceci, il y en a plusieurs que j'utilise pas là, de chez Duet Prestar, mais bon, que j'utilise quand même les mines. Mais j'ai un chou qui se balade, je sais pas où. Alors, ça c'est l'androgyne, ouais, c'est un de mes préférés en nous, celui-là aussi. Le Santa Baby aussi, je vais le faire en vert aussi. Hein. Et le Pumpkin Spice. Là, vous avez mes 4 préférés. Hein. Le Libra, je vais le mettre là. Voilà, comme ça, j'ai regroupé tous les Jeffree Star ensemble. Ça, c'est Sugar Pill et Sephora. Les Melted, ça c'est un rouge à lèvres, hein. Ouais, c'est un peu Manon m'a offert dans le swap. Alors attendez, parce que là j'ai de la place aussi. Ah oui, mais là j'ai deux en raisin. Donc je vais les mettre ici, normalement ils peuvent passer devant. Attendez, j'ai encore de la place derrière. Donc, je vais les mettre là. Voilà. Donc du coup le petit Ouda, je peux le mettre ici. J'ai les Martine, les Focalure. Je peux mettre cela ici. les deux Kylie, il faut que je rechoppe l'autre derrière, qui est tombé derrière. Le Mix. Et je vais mettre les deux chez Glam ici. Putain. Oh, faut que je bouge tout pour le récupérer, donc je le ferai après. Alors, ici. Les carrés ensemble, sinon je vais être perturbée. Il m'en faut peu, mais je me perturbe assez vite. Au PV, d'ailleurs, je vais peut-être le mettre en vert. Comme ça, j'en remets les teintes. J'ai un copardement et un essence. Ça, c'est du résolution chez Glam. Essence. Mais non, non, c'est essence. Ça, c'est Clam Shop. Donc, je vais le mettre ici devant. Et le Corazona aussi. J'ai encore de la place. Alors. Bon, ici, il serait vraiment temps que je jette tous ceux que j'utilise pas là. Les Jumbo Focalure, ça, je voudrais les garder. Mais alors, ça, je vais jeter parce que j'utilise absolument pas les essences. Essences ou Catrice, si on ne sait plus. Catrice. Ils sont hyper vieux, donc je vais les jeter. Ça c'est bien que je garde pour garder. Et mes petits jumbo Focalure, ça par contre je garde, mais où je vais les mettre. J'ai combien de cases là? 2, 4, 6, 8, 9. 2, 4, 6, 8. Voilà. Et voilà. Faudra que je re-retrie après le swap, hein, parce que forcément, je vais en avoir d'autres. Donc, le Ofra, je ne garde pas. Je le donnerai à mes nièces. Ensuite, hop là.
On a ce grand rangement ici. Alors, dedans, j'ai tous les rouges à lèvres du coffret que Maryse m'avait offert à Noël l'année dernière, que je n'utilise absolument pas. Je ne sais pas quoi en faire. J'oublie de les utiliser tout le temps, en fait. Et ensuite, il me reste les liners pailletés. Donc, je vais les ranger aussi dans celui-là. Dans les grands tiroirs. J'espère que celui-là, il rentre dedans. Je crois qu'il ne ferme pas après. Si, magnifique. Alors, j'ai les pelouses. Il y en a un qui est ouvert, en fait. Non, j'ai rêvé. Les autres sont où? Il m'en restait deux trucs. Donc, c'est que j'ai mis autre. J'avais deux trucs de liner pailleté, non? Je rêve pas. Qu'est-ce que j'ai foutu l'autre? Ah, mais je les ai pas rangés. Ah là 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 là. Ensuite, j'ai un de chez Rude Cosmétique. Très 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 beau aussi. J'ai. Focalure. Focalure, ils sont magnifiques, ils sont holographiques. J'ai les OPV. Ah, j'ai encore un rude. Alors OPV, j'en ai 3, 6. Donc, je vais les mettre là aussi. Je vais juste changer ceux-là. C'était triste au hasard. Hein. Là, je pourrais en mettre encore un. Non, les autres ne vont pas dedans. Donc, je vais mettre. Je vais juste mettre ceux-là. Donc dans l'autre grand tiroir, j'ai les W7. Là j'en ai 4. Que j'aime beaucoup. J'ai les Chiglam, j'en ai 4 aussi, que j'aime énormément. Focalure, il m'en reste que deux. Les autres étaient foutus, donc il faudrait peut-être que je vérifie. Ouais, il est sec. L'autre, il doit être sec aussi. Ouais. Donc, je peux les jeter. Le Kiko, je vais le jeter. Il a 15 ans, le bazar. Il est sec, quasi sec aussi, le pinceau et tout dégueu. J'ai les 3 mini de chez H&M qui étaient dans le calendrier d'avant. Les chiens sont en train de foutre le bordel. Et là, c'est deux fards gel de chez Glam Shop. Donc, je vais les mettre ici. Voilà. Eh bien, écoutez, ça fait pas mal de rangement. Hein. Bonjour, Georges. Hein? Je fous ça dans ton bureau, fais-moi le monter pour pas que les chats le bouffent. Ben du coup, sur ton perso, tout est fait. Ouais, les deux. Ok, merci bien. Bon, allez, filez. J'en ai un rassage à finir. Bah ouais, mais laisse pas les chips là. Moi, je vais sortir après. Je reste pas dans mon bureau. Tu sais que j'arrive à ouvrir une porte pour prendre un paquet. T'es sûr? Voilà, et donc du coup j'ai ces deux-là. Comment je pourrais faire? Parce que pour l'instant j'ai rien à ranger dans mes deux cases-là.
les plus petites. Normalement, je mets du truc comme ça pour pas que ça fasse du bruit. Mais là, flemme. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre celui-là au-dessus. Pour l'instant, on va faire comme ça. Et je verrai ce que je peux ranger dedans. Ça, les petits highlighters, comme ça, je vais les mettre là pour l'instant, parce que je ne sais pas où les mettre non plus. Ah, mais j'ai encore des rouges à lèvres. Attends, peut-être qu'il y en a plus, il y en a encore. Je trouve plus mon dernier tiroir. Il me reste ici deux Natasha Denona et le Fenty, qui a une drôle de tête. J'espère qu'il n'est pas sec celui-là. Oh non, ça va. Faut juste que je le mélange parce qu'il était couché. Alors, je vais mettre les deux chiplami derrière. Et je trouve une place. Allez, rentrez quelque part, les petits amis. Non, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Bon, les deux bien chopent, je les aime bien. J'ai pas envie de les cacher derrière. Oh, ça y est, je commence à plus avoir assez de place. Et le Fenty, comme d'hab, je sais jamais trop où le mettre, donc je vais le mettre là. Voilà, voilà. Alors, il faut quand même que je garde de la place pour pouvoir tourner le tourniquet. Ça, je vais le mettre là comme ça pour l'instant. Je ne sais pas trop ce que je vais mettre. Et mine de rien, j'ai quand même vidé deux petits et deux comme ça. Donc, on est bien. On est bien, bien. Bien, bien, bien. Alors, allez, mes crayons à lèvres. Normalement, je les mets là au-dessus. Bah, je vais les mettre là. Ah bah même je peux les mettre dans le tiroir du coup. Voilà. Encore mieux. Donc mon petit pot, il faudra que je le range. Alors, j'ai mon panier ici de produits entamés qu'il faudrait absolument que je finisse. Donc il y a la brume Pelouise que j'ai testé une fois, celle de chez Révolution que j'ai entamée aussi. La base NYX Marshmallow, oh, j'adore cette base. La poudre à la cerise de chez Action. Putain, c'est pas possible. J'ai la brume hydratante Ariel de chez Essence. Ah bah celle-là, je vais la descendre. Vu que j'ai la flemme de faire mes soins en ce moment, elle hydrate super bien. Donc je vais la descendre pour l'utiliser maintenant. Ça, ça va dans mes dégoûts de Noël, logiquement, c'était petit baume à lèvres Bambi. Là, c'est le quad. Ouais, Hourglass. Oh, il devient très 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 moche. Donc ça, il va falloir que je pense à le terminer aussi. Oh là là, la crème là, je l'ai achetée. Elle est ouverte depuis très 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 longtemps. Ouais. C'est de chez Révolution. Je l'aime beaucoup, il y a un SPF 15 dedans, mais du coup je l'ai oublié là au fond du bazar, donc je vais acheter. Le petit blush de chez Tarte. Ça c'est vide. Oh, ça a coulé de partout. Donc je vais le dégager. J'ai, ah bah ça aussi, il faudrait que je pense à terminer un de ces quatre de chez Olika Olika. C'est un sérum raffermissant. J'en suis à plus de la moitié. Et j'ai mes deux liners cake, le blanc et le noir, de chez Glisten. Bah oui, il faudrait que je pense à terminer ceux-là avant d'utiliser trop les autres. Donc je vais les mettre là. Glam Shop.
Ah, j'ai une colle pour les cils de chez Glam Shop là. Oh. Ah bah, je vais l'acheter. Voyez, hein, on jette. Hein. Et deux crayons à lèvres. Donc ça, c'est principalement ce que vous retrouverez dans le Project Pan de fin d'année. Celui-là, je ne l'ai même pas encore utilisé. C'est un bon manège, donc je vais le ranger. Voilà, voilà. Donc ça, je vais ranger à sa place et on verra ce que je rajoute pour le Project Pan de l'année. Ça, je vais le descendre, tiens. Voilà. On est bien. Alors ça, c'est un petit pot à bordel qui va rester un petit pot à bordel, tout simplement. Il en faut toujours un. Ma petite maison. Et un déco là que je remettrai probablement pour Noël. Il faut pas que j'oublie de récupérer mon rouge à lèvres en dessous. C'est bon. Il va rester là. Voilà. Mais écoutez, on est plutôt pas mal. Là, j'ai encore un petit peu de bordel, mais c'est beaucoup des câbles à ranger. Et voilà. À plus de bordel. Donc voilà. Ça, c'est assez simple à utiliser, du coup. C'est plus stable qu'avec les parois. Voilà, j'ai collé un verre en dessous. Hein, je vous avais montré ça dans un vlog aussi. Donc voilà, je pense que c'est un peu plus organisé. Et c'est très bien. Là, je vais préparer ce qu'il faut pour refaire mes ongles. Bah, pas ce soir, parce que ce soir, je ne suis pas là. Mais probablement demain. Je vais jeter tout ce que j'ai à jeter. Et voilà. Donc on peut clôturer ce vlog ici. Dites-moi si l'organisation vous convient, moi ça me convient. Et n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo et moi je n'ai plus qu'à vous dire bisous, bisous.